dans ma nouvelle peinture, j'essaie plutôt de montrer certains détails qui m'attirent particulièrement dans un paysage donné. Surtout en ce qui concerne la saison dans laquelle je me trouve. Si je suis, par exemple, en automne, bien sûr, je suis attiré, par exemple, par le feuillage d'un érable et par la lumière de l'automne. Et ainsi, avec ces composants, je crée quelque chose comme, je me permets de l'appeler, un hôtel du Chiemgau, c'est la région dans laquelle je vis et où je travaille. C'est la première fois depuis quelques décennies que je montre ces photos de mes toutes premières installations à partir de l'année 72 et 13. À l'époque, je les avais arrondies moi-même sur du papier parité et maintenant je les sors de ma réserve. Toutes mes installations dans la nature ne sont pas des sculptures parce que je ne suis pas un sculpteur, c'est-à-dire je ne meuble pas la nature avec un objet préfabriqué quelconque, mais je crée des installations dans la nature. Tandis qu'ici, nous sommes devant une vraie sculpture, la première fois que, peut-être même dans ma vie, que j'ai réalisé une sculpture, voilà, là voilà. Il s'agit d'une pierre calcaire bavaroise, et l'œuf est du marbre blanc de Carrare, qui est donc venu d'Italie, disparaît à moitié dans le caillou. Nous sommes une part de la nature, et si nous la détruisons la nature, nous nous détruisons nous-mêmes.